Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et aujourd'hui, on est dans un petit château, pas loin de Grenoble, voilà, qui est très sympa. Je vais vous montrer ma chambre, voilà, il y a la piscine dehors, il y a l'extérieur, malheureusement. C'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas filmer l'extérieur, on ne peut pas filmer les gens, voilà. Et filmer les gens, c'est compréhensible. On filme pas les gens, d'accord? Mais on peut même pas filmer l'extérieur, on peut pas filmer la piscine. Donc ça reste assez compliqué. Moi qui voulais un peu tout vous montrer. Bon, en tout cas, je vais vous montrer rapidement. Il y a une petite salle de fitness. Et je vais rapidement vous montrer ma chambre. Et j'aurais bien voulu vous montrer la piscine, mais je pense qu'on a des séquences avec la piscine, non? Un petit peu, ouais. On a un peu de séquences avec la piscine, donc on va vous les montrer. Salle fitness, elle est là. Fitness, elle est là. Ici, donc il y a une petite salle fitness, comme vous voyez. Vraiment petite salle sympa, voilà. Fitness, donc je vais venir bosser un peu dedans. Je vais en profiter. Bah, c'est vrai que c'est un peu petit, mais on peut faire un petit truc, je pense. Bon, je pense tourner une petite scène là-dedans. Nos chambres, elles sont un peu plus loin encore. Vous voyez, là, ça monte. Château, voilà. En fait, c'est un ou deux châteaux, je crois qu'ils sont collés ensemble. Avec des maisons entre les châteaux et tout. Je reviens de la piscine, j'ai bronzé là toute la journée, dites-vous. Et en fait, ben, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et vous allez comprendre un petit peu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, il y aura une vidéo qui vous expliquera ça, et elle a dû sûrement sortir hier. C'est pour ça que celle-là, j'ai pas pu vous la sortir hier d'ailleurs. On a eu un petit problème. La vidéo d'hier, vous l'a expliqué, mais je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. En fait, on était en train de filmer notre clip tranquillement. J'étais au fond, d'accord. J'étais au fond, tout à droite, contre des buissons, donc on voyait rien. On voyait que moi, et le caméraman, bah, il filmait vers moi, donc il filmait pas derrière lui. Et là, il y a une cliente, une anglaise, qui est partie se plaindre à l'accueil, en fait. Et on a expliqué au patron de l'accueil, on lui a dit, mais en fait, monsieur, on n'a pas filmé la dame, on n'a pas filmé vers la dame, on n'a pas dérangé la dame. Voilà quoi, c'est genre, y a rien quoi, pas de raison de s'embrouiller ou quoi que ce soit, voyez. Et on a tout fait pour respecter la tranquillité des gens et respecter surtout l'image des gens. On s'est bien mis contre les buissons, on filmait contre les buissons, on filmait ma gueule contre des buissons. Mais bon, les gens des fois ils aiment bien compliquer un peu les choses. Mais voilà, en tout cas, bah, je vous présente un peu la chambre rapidement. Voilà, je vais vous la présenter rapidement. Donc là, bah, y avait la petite porte d'entrée, voilà, que vous voyez ici. Donc voilà, ici je pense que c'est un truc pour ranger, voilà, si vous voulez ranger des petits trucs et tout ça, des habits et tout. Voilà, hop. Ici, c'est la salle de bain. Voilà, salle de bain, elle est assez sympa. Salle de bain, elle est vraiment sympa, on a mis notre valise ici. Salle de bain, elle est vraiment sympatoche. C'est vraiment cool. Il y a tout l'espace qu'il faut. C'est sympa. Le petit lit, il est là. Bonjour madame. Ça, c'est le petit lit, voilà. Petit lit cool Raoul. Voilà. Il est à Marseille, je crois. Hop là, la petite table, du coup, ici. Tac, attendez. Je fais juste ça, hop, voilà. Ça, c'est tes affaires du clip aussi. On va les mettre là. Hop là. Voilà, donc la petite table ici. Voilà. Petit truc assez simple, mais vraiment sympa. Voilà. Petite clim en même temps, ça c'est sympa. Là, c'est une porte, en plus, elle est fermée. J'ai essayé de l'ouvrir. J'ai essayé. Voilà, là c'est dehors, je vais essayer de ne pas vous montrer la clientèle, voilà. Voilà, là c'est dehors, on va pas vous montrer les gens. Voilà, c'est dehors. Voilà, comme vous voyez, le château. Tu kiffes les chambres toi ou pas? Qui, moi? C'est à moi. Ouais. C'est un peu à l'ancienne, tu vois, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Elle me faisait trop rire. Qui? C'est ça, ouais. Pourquoi? Avec ses cheveux en pétard. Bon, en tout cas, voilà, la famille, c'est pas censé être après des chambres de luxe, hein, pour ceux qui auraient compris. C'est les chambres un peu à l'ancienne, c'est un château. Donc voilà, mais... Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, Caroline me fait trop rire. Voilà, la famille, une petite chambre un peu à l'ancienne, en espérant que vous la trouvez charmante. Cette chambre, que vous la trouvez charmante. En espérant que vous la trouvez charmante. Voilà. Bon, prenez soin de vous et de la Mifa, j'espère que cette petite visite vous a plu. Le but de la vidéo, c'était de vous faire visiter
Il est encore mort de rire. Le but de la vidéo, c'était de vous faire visiter le château, le spa, la piscine, le jardin, le petit restaurant derrière là-bas qu'on a pu voir. Bref, vous faire visiter plein de choses, mais on n'a rien le droit de filmer. Voilà. Donc, voilà, la vidéo devait être sympatoche et... C'est compliqué, voilà. On n'a pas le droit de filmer. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ? Arrête pas de rigoler, le con. Ah voilà, il y a le mec qui est venu me voir, le propriétaire, et il nous a dit ouais, filmez pas les gens et tout. On leur a dit non, on filme pas les gens de toute façon. Et donc voilà, par respect pour le monsieur, on va éviter d'aller filmer dehors et sortir la caméra. Parce que les gens, quand ils voient une caméra, je sais pas ce qu'ils ont, la vie de ma mère, on dirait c'est la mort, tu vois, c'est waouh, c'est la fin du monde, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'on les filme pas la plupart du temps, mais même si tu les filmes pas, de base, s'il y a une caméra qui sort devant eux, ils ont peur quoi, c'est bon, c'est fini. Bref. Après, je respecte la tranquillité des gens, mais il y en a certains qui abusent un petit peu, même si on les filme pas, même si l'objectif n'est même pas vers eux, rien qui est vers eux, rien pour les déranger, pas de bruit, rien. Alors là, ils vont se plaindre pour chi. Bref, pour chi, ça veut dire pour rien, parce que des fois, je parle en mode. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ? Quelqu'un qui me fait rire avec son pot, là, dans le moment. Voilà, famille. Prenez soin de vous et de la Mifa, et puis j'espère que vous avez trouvé cette petite suite assez sympa. Voilà, et à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Jamie!